Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle ne pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde. D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Tu sais quoi? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok. Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. Passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries.
Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. À penser tout. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est, pour qu'on puisse s'éclipser. Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je vais le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. Deinonychus. C'était une bonne journée.
Tout va bien ? Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes, enferme les chevaux, elle aussi s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Hmm ? Ouais. À pied ? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Très bien. Alors partez. Pendant qu'il fait jour. Un chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer, et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur ? J'ai même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge ? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. 10 ans. Waouh. Et il s'est passé quoi ? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardée. Putain. Tu m'as battue. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumés, là ? Non, pas du tout. Mais fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi, ils vous sont tombés dessus une fois ? Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF ? Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston ? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ellie, les voitures.
Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Parti. Bon, moi, je me suis trompée. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Reste avec Payette. Ouais. Nickel. T'as trouvé quelque chose ? J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça. Ça a l'air calme. Ouais. Méfie-toi. Ils sont sûrement bien planqués. Oui, je sais. C'est bien ce qui me fait peur. Wow, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais. Fais gaffe en haut.
WLF, les intrus seront abattus. Sympa comme accueil. Enfin, au moins, on sait qu'on est au bon endroit. Où ils sont passés? S'ils ont pris la peine de mettre ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un moyen d'entrer. C'était des soldats de la zone de quarantaine. T'as vu les uniformes de la Fedra? Tu penses qu'il s'agit du WLF? Ouais, ils les ont laissés ici. C'est un avertissement. C'est horrible. Regarde, on dirait que le mur est fissuré, là-haut. Tu le vois? Ouais. Maintenant, il faut trouver comment grimper là-haut. T'as trouvé quelque chose? Pas vraiment, non. Ce sont des cages? Des cellules. Il y en avait aussi à Boston. Dina, viens. Aide-moi à grimper. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. Bonne idée. Ha!
J'ai juste failli crever. Fallait s'y attendre. Ellie, est-ce que tout va bien? T'inquiète pas. Ok. Je me demande de quand ça date. La base Cerevena. Ok, intéressant. Ah, voilà le générateur. D'accord. Comment je vais pouvoir t'activer? Ok. Ellie ! Ellie ! Par ici ! Hey, tout va bien ? C'était quoi ce bruit ? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci. Ok.
Yes. Bien joué. Merde. Allez, viens. On s'en va. On a assez traîné dans le coin. Et maintenant ? J'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher ? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va.